Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons apprendre quand mettre un A sans accent et un A avec accent. Pour savoir si tu dois écrire A sans accent ou A avec accent, il te suffit de le remplacer par avait. Le A sans accent est le verbe avoir. Si tu peux dire avait à la place de A, alors il faut utiliser A sans accent. Par exemple, Emma a un chat. On remplace le A par avait. Emma avait un chat. La phrase a du sens. C'est donc A sans accent. Si la phrase n'a plus de sens avec avait, alors il faudra utiliser A avec accent. Par exemple, Laura vit à Paris. On remplace le A par avait. Laura vit avec Paris. La phrase ne veut plus rien dire. On utilise alors le A avec accent. À toi de jouer! La maîtresse a fait un gâteau. La maîtresse avait fait un gâteau. A sans accent. Julie porte une robe à pois. Julie porte une robe avec pois. A avec accent. Tom habite à Lyon. Tom habite à Vélion. A avec accent. L'oiseau a fait son nid. L'oiseau avait fait son nid. A sans accent. Demain, je pars à la plage. Demain, je pars avec la plage. A avec accent. Émilie mange à midi tous les jours. Émilie mange avec midi tous les jours. A avec accent. Manon a acheté du pain. Manon avait acheté du pain. A sans accent. Maman porte un nouveau sac à main. Maman porte un nouveau sac avec main. A avec accent. À bientôt les amis!